Salut à tous, on se retrouve sur PES 2015 pour une coupe de challenge en ligne. Le gagnant rafle tout, donc c'est juste une finale. Je vais vous montrer vite fait mon équipe. Donc je vais jouer avec 3 défenseurs centraux, donc Pellegrino goal toujours. Et j'ai mis Sergio Ramos, David Luiz et Jérôme Boateng. J'ai mis Gérard après en milieu défensif, mais on voit que j'ai Vidal et Pirlo pour entrer au cas où. J'ai mis Marco Reus à gauche et Cuadrado en milieu droit, Ozil en milieu offensif, hein, mais je pense que je tenterai de faire entrer De Bruyne, hein, vu que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et j'ai mis Agüero remplaçant, car j'ai mis Suarez à gauche, Hulk à droite, et j'ai tenté Ronaldo en pointe. J'aurais pu inverser, mettre Ronaldo à gauche comme mon précédent match, et Suarez en pointe. J'ai envie de tenter comme ça, peut-être qu'on inversera en cours de match, on verra ce qui se passera. On va vite faire regarder l'équipe de mon adversaire. Donc une jolie équipe. Bon, après je préfère la mienne. Je pense qu'elle est un peu plus forte quand même, la mienne maintenant. Moi ils sont pas encore super. Mais j'ai pas pensé à regarder ses stats à mon adversaire. Ben, ça sera la surprise. S'il me met une branlée, ben, on dira qu'il avait de très bonnes stats. Ça sera l'excuse. Comme ça au moins s'il avait des stats pourries, on le saura pas. Et comme ça, la honte sera moins grande si je perds. Donc c'est en un match, le gagnant rafle tout, ça s'appelle, en plus j'ai vu le titre. Donc faut gagner le match, en un match. Et on va essayer de jouer correctement avec 3 défenseurs centraux. Donc en fait, en quelque sorte, l'erreur ne pardonne pas. Ce qui n'est pas très malin quand on fait une reprise et donc je suis plus trop habitué à jouer. Mais après au niveau offensif, ben, c'est très très fort. Logique, hein, vu qu'on a... Bon, ça lag, il a une commotion. Il a une connexion toute pourrie ou quoi? Non, je ne me remets pas en cause, ma connexion est très bien. Ouais, donc c'est évidemment très efficace, vu qu'on a énormément de monde et on met notre tête au-dessus, c'est dommage. Ouais, vu qu'on a presque 5 joueurs pour attaquer, quoi. Quasiment, hein. Parce que vous verrez que Cuadrado et Reus ont très souvent monté et seront donc en supplément des autres ailiers, que seront donc Suarez et Hulk. Hop. Allez, Ronaldo. Hop, Ronaldo. Boum. Allez. Et je la cadre pas, c'est dommage. On l'a un peu énervé à faire des tchic-tchac. Mais ça ne marchera pas. C'est dommage. Bon, début de match correct maintenant. Vous allez voir, il va pas en avoir besoin de beaucoup. Après, on a trois des plus gros défenseurs du jeu. Hein. Pas du monde pour moi en réalité, parce que pour moi, même si j'aime bien David Luiz, c'est clairement pas un des meilleurs défenseurs centraux au monde, mais dans le jeu, bah si. Allez, allez, Cuadrado, lui j'aime beaucoup Cuadrado. Un peu dégueu qu'il soit parti à Chelsea, le traître, fallait rester en Italie. Il centre à la tête de Reus qui ne marchera pas. Et notre adversaire ne prend pas de risque et dégage. Allez. Mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au tableau d'affichage. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début. Eh non. Ouais. On domine. Mais. Hop. Allez. Hop. Le petit pichenette de Ronaldo et on la cadre pas. Oh, j'avais bien joué le 1-2. Il va pas nous laisser le ralenti. Bon, on verra pas de toute façon. On verra juste la pichenette ratée. C'est dommage. On fait du jeu correct. C'est vrai que. J'avais décidé de jouer à 3 défenseurs centraux parce que j'arrêtais pas de tirer des défenseurs énormes. Mais rien d'énorme. Hein, j'ai un remplaçant, vous avez vu Dante, mais j'ai aussi John Terry. Enfin, j'ai plein de gros défenseurs. Mais donc je me disais, bon, autant les utiliser sur... Hop. Des tchic-tchac. Oh, et bien joué. Il nous prend la balle, Sergio Ramos. Et attention au contre, même si pour l'instant, vous voyez, il est pas dangereux, mais il en faut peu. Avec 3 défenseurs centraux, ben sur les côtés, il part, c'est fini. Hop. Allez.
Oh là là, j'ai raté ma... Je voulais la faire à Cuadrado. Hein. Je voulais la mener là, direct, la passe. Bon, c'est pas grave. C'est arrivé à bon port, à force. Donc moi, toujours la possession. Hein. Je fais tourner. On le sait. Souvent infructueux. Ma domination n'est pas forcément payante. Allez, Ozil. Hop, il a un gros pied gauche, je crois. Mais non, on la cadre pas. C'est dommage. Maintenant, face à Casillas, c'est dur de marquer de là. Mais bon, Ozil a une grosse frappe quand même, je crois. Un bon pied gauche. Et... Attention. Ouais. Pour l'instant, il me rend beaucoup de ballons. Tant mieux. Tant mieux, on peut faire du jeu. Hop, on tente de la faire direct à Ronaldo, ça passe. Et on la cadre pas encore. Mais c'est incroyable. Oh là là, tout ce que je rate. C'est même pas, on met même pas en difficulté Casillas, quoi. On les cadre pas. On les cadre pas et ça va nous coûter cher. Ça va la force. Attention. Hop, allez, Reus. Très rapide. Il est vif. Hop là. Attention de ne pas faire n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai perdu le match de l'autre fois. Perdant le ballon hein. En défense. Hop. Allez, Hulk. On l'a pas trop vu, Hulk. Pourtant, allez, faut imposer sa puissance à Hulk. Non. Hop, hop. Allez, on lance Cuadrado. Cuadrado, il va pouvoir faire un bon centre. Ah non. Un mauvais centre, il va pouvoir faire. Oui, c'est pas ma faute. Hein. Moi, j'avais fait le geste parfait avec la manette. C'est le joueur. Je déconne, bien sûr. C'est moi qui me suis fail. Par contre, pour l'instant, mon adversaire vraiment fait pas de trucs superbes. Donc, c'est. Faut vraiment que je concrétise à force. Allez. Hop. Hop. Et allez. Boum. Et cette fois-ci, ça marque. Ça a été à la limite. Et Mesut Ozil, cafouillage. Il coupera le ralenti. Bon, c'est pas mal, mais l'autre fois. Non, l'autre fois, on n'avait pas mené au score, on était revenu au score. Allez. Bon, pour l'instant, il m'a pas du tout inquiété, mais attention. Hein. Ça peut aller vite. Hop, voilà, pas de risque. Et c'est quand je dis ça que je la perds bêtement, non, ça va. Hein. Allez, Cuadrado, hop, on va pour Gérard. Ah non, c'est Ozil. C'est vrai que Gérard est plus bas. En fait, je joue à 3 défenseurs centraux et un milieu défensif central très bas. Boum, Ronaldo, on tente. Ouh, et je cadre pas assez, hein. C'est dommage. Encore, j'ai pas Totti. Hein. Si j'avais Totti, je vous assure que je tenterais des tirs tout le temps. Comme quand je joue avec Pirlo et qu'il est, dès qu'il est placé à peu près pas trop mal pour tenter une frappe, je tire. Hop. Ah, ça passe. Oh là là, il est cheaté quand même, Ronaldo. Hein. Après, je fais n'importe quoi au niveau de la finition, mais c'est quand même trop facile avec Ronaldo de garder la balle. Hein. Ouf, possession 78%, 10 tirs de juste de cadré, c'est ça qui est abusé. Par contre, lui, 0 tir. Donc, évidemment, 0 cadré. Grosse domination, mais ouais, pas très efficace. Et on commence la deuxième période. Allez, attention quand même. Bon, c'est ma manette qui faisait partir Gérard bêtement parce que ma manette est un peu pétée. Il faudrait que je la change. Peut-être pour une manette Xbox One. Je vais essayer enfin. Allez, on tente le centre. Ça passera pas. Dommage. Dommage. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne la balle à Marco Reus. Ozil. Hop, hop. Ah, j'ai tenté une dernière. J'aurais dû tirer, je pense, là, avec Ozil cette fois-ci. Et... Ah, je fais tout à l'envers et ça va peut-être me coûter cher. Attention, le contre. Allez. Il va pas passer Jérôme Boateng comme ça. Hein. Boum. Il y a une petite faute, c'est pas grave. On la touche pas pour laisser l'avantage. Malin. Et cette fois-ci, on fait pas faute et on la récupère. Et ça part en contre. Ouais.
Allez, Ronaldo. Et il est contré. Les petits lags, c'est un peu énervant. J'espère que ça va pas couper avant la fin du match. Surtout que je sens que je suis en train de gagner. Allez, Gérard. On va faire une petite combinaison que je préfère. Vous allez voir. En espérant que ça marche. Hop. 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 Et là. Et on la cadre pas, c'est dommage. C'est la petite combi, je vous le dis. Quand vous avez un très très bon centreur. Genre pour Gérard ou Pirlo, je trouve ça encore plus efficace que les centrer directement en corner. Ce qui n'est pas logique. Enfin, c'est ni logique ni illogique, mais ça marche mieux de mon, oh là là, de mon côté. Voilà David Luiz. Bien, c'est bien rattrapé. Essayez de relancer proprement. Ça ne sera pas le cas. On galère. On s'en sort. Oh là là. Allez. Cuadrado. Hulk, on t'a pas vu, j'ai envie de faire un truc là, une puissance là, boum. Non, ça passera pas. Et on est là, 60ème, mais au cas où, ça y est en prolongation, on va pas faire de suite les changements. Ça s'est pas dit qu'il nous égalise pas. Oulala, on balance. On s'en sort bien, c'est pas mal. Allez, Suarez. Reus. Pas mal, pas mal. Allez. Centre direct en première intention. Et personne de la tête. Gérard, boum. Ah non, dommage. Parce que lui aussi, il a une très bonne frappe, évidemment. Hein, il est connu pour ça. Pas que. Hein. Un gars qui fait de très belles passes. Par contre, je me suis fait avoir comme un bleu avec Ramos. Et il n'en profite pas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez. Ah là 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 là, on perd la balle. Hein. Attention, 66ème minute. Hop là. Pour l'instant, ne nous inquiète pas, mais je me connais. Je sais que je peux faire des erreurs très bêtes. Allez. Hop, Verratti, on le rend un peu fou. Et on tente, c'est pas mal. Hop, ah, c'est pas bien. J'ai pas bien donné. Mais ça peut. Et on la cadre pas à nouveau notre tête. Avec Suarez. Que de fail quand même sur la finition. On va faire les remplacements. On va faire les remplacements. Lui, il a fait un très Xavi, j'ai vu à la place de Draxler. Nous, on va regarder un peu qui est cramé. On voit que Ozil est cramé, donc ça tombe bien. De toute façon, je comptais tester De Bruyne. On va faire entrer Agüero, on va mettre Ronaldo sur le côté. Et Agüero, on va le mettre en pointe. Et les gars, on va faire entrer... Après, ça a l'air cramé, mais... On va mettre Vidal à gauche. Ça peut être pas mal. Allez, on y va. C'est parti. Tenir. 15 minutes à tenir. Il fait entrer Robinho à la place d'Agbon Lahor. Robinho, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Non, il a... Oh, il a un joli palmarès. Allez, on va voir ce que ça va donner lui. Il est frais, il est frais. Il s'impose sur Verratti. Ah là, par contre, il y a... Ouh, Hulk, voilà, enfin il impose sa puissance, Hulk. Pas mal. Allez, Agüero, tu viens de rentrer, qui frappe, hein, et ça ne marquera pas. Bel arrêt. Et pour une fois, on avait cadré. Ouais, ce serait bien de tuer le match, mais c'est raté. Voilà, les coups de lag, les coups de lag. Hop, allez, De Bruyne. De Bruyne. Et on la cadre pas à nouveau, mais... vous pouvez le dire, c'est la honte. C'est la honte parce que... Le nombre d'occasions que j'ai... c'est là, hein. C'est parce qu'après, je joue pas trop mal sur le reste, mais alors les finitions... c'est vraiment le truc qu'on perd très vite à ce niveau-là. Alors là, ne pas laisser...
J'ai pas pris de risque. Ça aurait pu me coûter cher. J'ai balancé avec Vidal en corner. J'ai peur, mais attention, c'est pas fini. Ça va. Allez, le contre avec Hulk. Il n'y a plus trop d'énergie, mais c'est pas grave, on va tenter. Quadrado sur le côté. On tente au milieu. Oh là là, je la donne mal à Agüero, alors qu'il est tout frais, je dois juste lui donner. Il est fou. Je dois la donner presque dans ses pieds à Agüero, il pouvait faire la différence après à lui tout seul. Je joue pas très bien. Je joue pas bien le coup là. Ah, faut profiter des joueurs frais. Vidal, pareil. Ouais, bah. Putain, je l'adore ce joueur, mais là je me suis fail avec lui. Et attention. Oh là là, je rate le tacle. Et j'ai failli. Oh là 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 là. Je voulais faire un joli tacle et à la place, à cause de ça. Je fail complet et il rate sa frappe. Heureusement pour moi. Il va essayer de l'intercepter, il pourra pas. Hop. Allez. Non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas... Je rate mes passes, c'est abusé. Et. Ramos qui s'impose de la tête, heureusement. Et on a une dernière occasion. Hulk. Pour Agüero. Non, c'est Ronaldo, c'est trop long. Hop. Oh, j'ai tenté. Ça va marquer? Non! Oh là là, tout ce que je rate, hein. C'est abusé. Il va avoir une dernière occasion. Non, on fait un bon tacle. Pour pas le laisser. Vidal. Et on obtient un dernier corner. Ah non, 6 mètres. Ah non, corner. Vous allez voir, je vais essayer de le faire directement, le corner. On va lui faire croire que je le joue à 2. Oh là 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 là, je... voilà, c'est normal que ça marque pas. Oh là, quelle honte. On n'a rien vu. Tirard a fracassé Vidal. En tout cas, c'est une victoire. Écrasant. Écrasant, mais pas au score au final. Un petit 1-0 et on a failli se faire égaliser sur la fin. Mais voilà, c'est la honte à ma réalisation vraiment catastrophique. Pourtant, j'ai des monstres en joueur qui doivent marquer. Donc c'est vraiment juste de ma faute. Je joue mal le coup, hein, clairement. Ça va revenir petit à petit. On voit que c'était pas un gros joueur, donc au niveau des stats, vu qu'il était 431. Donc la logique est respectée. C'est pas toujours le cas. Hein. Mais ouais, voilà. Vous voyez, c'est parce que c'est le tournoi, donc je me fais un peu plus de 4000 AGP, donc c'est pas mal. Bon, l'agent de base, comme d'habitude, et bravo, on a gagné la coupe. D'accord. Ah, j'ai. Ben, on va aller faire le tirage, on va aller en profiter. C'est un nouvel agent, c'est vrai. Great Finisher. Ok. Mais j'ai vu qu'il proposait pas. Enfin, c'était pas. Hein, voilà, il y avait des chances d'avoir un joueur vraiment très moyen. Mais on va aller voir. Hein. Plus Great Finisher, j'ai déjà des très bons finishers. Mais bon, on va aller voir ce que ça donne. On va tenter. Donc j'ai un super agent, vous voyez. Donc après, il n'y a plus l'agent. De l'année 2014-2015, donc je l'ai fait au bon moment. Et on va faire cet agent, on va voir ce que ça va donner. Ouais. C'est parti. On voit qu'il y a beaucoup de chances d'avoir juste un ballon or. Mais on sait jamais. Non, ce sera un ballon doré. Attention. Kerzakov du FC Zenit Saint-Pétersbourg. D'accord. Bon. Honnêtement, il sera pas utilisé hein, dans mon équipe, vous imaginez bien. Il sera ajouté au membre de My Club, hein, on va pas ajouter à l'effectif, il sera ajouté, voilà, il va permettre à du farm tranquille, voilà, des matchs en solo. Mais voilà, donc c'est une victoire, quelle surprise, je vous remercie d'avoir regardé. Enfin une victoire de ma part. Et puis nous on se retrouve pour un prochain match. Allez, ciao ciao.